En Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande, mais aussi dans diverses parties du globe, de nombreux météorologues ont tous pu observer de bien étranges nuages qu'ils décidèrent de nommer Asperatus, signifiant brutal en latin. Ces nuages, particulièrement tourmentés et opaques, assombrissant considérablement le paysage et donnant l'impression d'annoncer une violente tempête, finissent toujours par se dissiper sans produire aucun orage, et ce, aussi rapidement que leur formation. Certains scientifiques ont décidé de classer ces nuages dans sa propre classification, et une proposition a été soumise officiellement à l'Organisation météorologique mondiale à Genève. Dans tous les océans de notre planète, il serait tout à fait possible de pouvoir observer cet étrange et extraordinaire phénomène dit de vagues fluorescentes. Ce phénomène est causé par la présence de micro-organismes phosphorescents, similaires à des lucioles, qui sont déposés sur les plages par de fortes vagues. Selon les biologistes, la couleur bleutée créée par ce microplancton est liée au stress de ces petites créatures dues au frottement et à l'agitation créée par les vagues sur le sable. Un spectacle surréaliste se produit chaque année et sur toutes les plages du monde entier. Au beau milieu du désert de Karakoum, en plein centre du Turkménistan, se trouve un gigantesque gouffre de plus de 70 mètres de diamètre et de 20 mètres de profondeur. On le nomme la porte de l'enfer. En effet, depuis plus de 40 ans, les flammes brûlent une poche de gaz naturel s'échappant du gouffre. Cependant, cet énorme cratère a été créé malencontreusement par l'homme. Dans les années 1971, des géologues de l'ex-URSS venus prospecter dans cette région désertique à la recherche de ressources naturelles décidèrent de forer le sol. Ils creusèrent accidentellement au-dessus d'une caverne et qui, celle-ci, en s'effondrant, provoqua ce gouffre et libérera une grande quantité de gaz naturel. Craignant que d'autres gaz toxiques ne s'échappent du trou, les géologues soviétiques décidèrent de mettre le feu au gaz et ainsi d'en éliminer le risque et le danger. Selon leurs estimations, quelques semaines devaient suffire à brûler l'ensemble du gaz qui s'échappe de l'abîme. Mais plus de 40 ans plus tard, la porte de l'enfer reste une incroyable et étrange création de l'homme. Dans toutes les mers polaires, il existe un incroyable phénomène appelé fleur de glace qui se forme sur la surface de celle-ci. L'eau à la surface de la glace nouvellement formée entre brutalement en contact avec de l'air extrêmement froid et peu gelé, ce qui peut donner naissance à ces magnifiques fleurs dites de glace. Si la température de l'air chute en dessous de moins 20 degrés, leurs pétales pointus peuvent surgir en quelques heures sous la forme d'immenses champs. L'un des plus puissants maelstroms au monde se situe en Écosse, sur le côté nord du golfe de Corrievreckan, entre les îles de Jura et Scarborough. Il est provoqué par la conjonction de la marée et d'un bras de mer situé à l'opposé et forme un immense tourbillon. Ce maelstrom peut provoquer des vagues atteignant jusqu'à 9 mètres de hauteur et mesure plus de 260 mètres de profondeur. Il serait également possible d'entendre le bruit provoqué par cet immense tourbillon à plus de 15 km à la ronde. Ce phénomène peut aspirer toutes sortes de choses telles qu'un humain ou un petit bateau si on se trouve à proximité. Selon certaines légendes de pêcheurs, le maelstrom serait associé à une gigantesque créature qui aurait pris demeure dans cet immense tourbillon et attaquerait quiconque qui s'en approcherait. Dans le désert d'Atacama au Chili, un étrange et époustouflant phénomène se produit certaines années. En effet, le plus souvent entre le mois de septembre et de novembre, lorsque les conditions climatiques sont favorables et qu'une grande quantité de pluie s'abat dans ce désert, une incroyable diversité de graines et de bulbes en latence se mettent à germer. Une grande diversité de fleurs se mettent alors à pousser et décorent ce désert habituellement aride et sans aucune trace de vie. On peut également apercevoir ce même phénomène dans d'autres déserts, notamment en Afrique du Sud. Au pôle Nord, dans le mois de juillet en 2011, un photographe du nom de Sam Dumson eut l'incroyable privilège de pouvoir photographier un arc de brouillard, ou aussi appelé arc-en-ciel blanc. Ce phénomène, qui reste très rare à observer, se forme dû aux gouttelettes du brouillard qui sont toutes petites. La lumière est diffractée, les couleurs se superposent et nous ne voyons que la couleur blanche de celui-ci.